Bonjour. Ce MOOC est un cours d'initiation à l'une des approches les plus puissantes et les plus efficaces qui soient en informatique, la programmation récursive. Vous avez sûrement déjà écrit des petits programmes à base de boucles itératives, en jargon on appelle ça la boucle fort, et vous savez bidouiller, vous savez résoudre un certain nombre de problèmes, mais il y a des choses qui vous paraissent complètement insolubles, comme par exemple d'arpenter des arbres ou de passer en revue des listes dont la longueur est potentiellement infinie. Et donc, ces problèmes, qui sont d'une complexité arbitraire, en fait, se traitent excellemment avec la récursivité, qui est un outil intellectuel absolument majeur et qui, peut-être, vous manque déjà. Qu'est-ce que c'est qu'un problème récursif ? Eh bien, c'est un problème dans lequel la solution passe par le fait qu'on sait déjà résoudre des problèmes qui sont de la même nature, mais qui sont un petit peu plus simples. Prenons un exemple qui est connu depuis l'Antiquité, Hercule et les 12 travaux, parmi lesquels l'hydre de Lerne, donc un monstre absolument horrible avec des têtes, des coups qui mènent à des coups, qui mènent à des têtes, et toutes ces têtes qui s'agitent et qui sont prêtes à manger le pauvre Hercule. Hercule est doté d'une épée et peut couper une tête. L'ennui, c'est que quand il coupe une tête, eh bien en fait, il y a trois têtes qui repoussent. Sauf que ces têtes repoussent sur un coup qui est plus proche du corps de la bête que le coup initial qu'il avait coupé. Le problème donc est, Hercule finira-t-il par vaincre l'hydre, c'est-à-dire couper la dernière des têtes. C'est un problème récursif, et ce problème, vous saurez le résoudre en fait après avoir suivi ce MOOC. Donc, la récursion, c'est une façon extrêmement élégante d'exprimer un certain nombre d'algorithmes. Ils sont concis, ils sont compréhensibles, et c'est, une façon majeure en fait d'attaquer un certain nombre de problèmes. Lorsque vous comprenez la nature profonde de la récursion, en fait, au lieu de voir certains algorithmes comme des recettes magiques qu'il faut tenter d'imiter exactement à la lettre et sans comprendre, vous aurez une perception beaucoup plus fine et beaucoup plus profonde en fait de la nature d'algorithme et vous saurez l'adapter à nombre de problèmes différents. Si vous savez déjà programmer, vous apprécierez tout au long de ce MOOC en fait la récursion à l'œuvre, vraiment, sur des structures de données qui sont elles-mêmes récursives, que sont les listes et les arbres. Donc vous apprécierez aussi un nouveau langage de programmation qui se nomme Scheme, qui a été créé en 1975, qui a une syntaxe rigoureusement uniforme, qui est sans surprise, sans cas particulier, une sémantique qui est extrêmement simple et cependant extrêmement puissante, puisque c'est un langage qui est à l'égal de tous les autres langages de programmation, on dit en jargon complet au sens de Turing. C'est un investissement utile car il y a beaucoup de langages fonctionnels aujourd'hui dans la nature. Vous avez par exemple OCaml, vous avez Haskell, Erlang, Clojure et des tonnes d'autres qui sont quelquefois cachés sous des apparences un peu moins fonctionnelles. Ce MOOC, en fait, qui est basé sur un cours qui a fait ses preuves depuis l'an 2000, en fait, sera aussi une source de bonnes habitudes de programmation et un moyen de développer vos réflexes d'informaticien bientôt aguerris. Donc bienvenue à ce MOOC. Et que la récursion soit votre arme de choix pour vaincre toutes ces hydres algorithmiques que vous aurez à affronter.